2000 spectateurs seulement au stade Bonal pour ce match Sochaux-Laval. Les Sochaliens qui jouent en maillot clair sur la droite de votre écran dominent en ce début de partie. Ici c'est Zandona. Vous allez voir un tir du jeune Ganguini, mais le défenseur Simondi repousse avec beaucoup de réussite. Bien que très rares, les réactions de l'équipe de Laval sont très dangereuses, témoin cette tête de Di Caro. Encore Sochaux qui attaque, 15e minute de jeu, Meyer sur passe de Gutierrez, ouvre la marque. Sochaux 1, Laval 0. Revoici son but sous un autre angle. Laval qui attaque, Camara tout seul, trop seul, il est signalé hors jeu. Vous allez voir un tir du jeune Stopira sur le poteau. Manque de chance pour les jeunes Sochaliens et c'est contre le cours du jeu que Di Caro égalise à la 45e minute. Une très belle reprise de volée. Sochaux 1, Laval 1. Une deuxième mi-temps identique à la première, à savoir une équipe de Sochaux qui domine nettement son adversaire du jour. Vous avez vu le troisième but de Sochaux, de Ganguini, que vous revoyez ici. Une très belle reprise de volée. Sochaux 2, Laval 1. Laval réagit alors et se procure quelques belles occasions. Ici, c'est Camara. À côté. Solaire remplace Parizon à Sochaux. Sagna, une passe de Cougé pour Camara, le gardien de but est bien placé. Sochaux se montre plus efficace, toujours avec le jeune Ganguini qui va marquer. C'est plus exactement un arrêt du gardien rose. Ici c'est le quatrième but et dernier but d'ailleurs de Sochaux, marqué par Solaire. Sochaux 4, Laval 1. Voici le but de Solaire. Sochaux 4, Laval 1. C'est le score final.